Donc là, on est avec Rassan. Donc Rassan, toi, t'en penses quoi du reconfinement? Franchement, c'est la merde, voilà. Voilà, c'est la merde, mon ref. Fallait pas reconfiner. Ah ouais, toi, tu voulais qu'on reste tous dehors? Bah ouais, frère, mais ça sert à rien. Mettez-moi, oui, jetez-moi les gens. C'est vrai qu'il y a quand même du monde, hein. Bah ouais. J'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment. Ah, mais tout, voilà. Non, mais pas ça, voilà. J'ai... Donc là, on est avec Speedy. Squeezie, Squeezie, c'est un youtubeur. Je suis youtubeur, je kiffe tes vidéos. T'en penses quoi, toi, du reconfinement? Personne ne respecte, ma gueule. Ouais. Ah, personne. Bah, je vois, les gens, ils font du skate, normal. Voilà, tu vois, ça fait du skate pas mal, hein, quand même. Hein. Tu penses qu'on devrait faire quoi? On devrait rien faire. Ouais. Ça a... Nous les sortir? Bah, ça a rien. Ouais. Y a personne qui le respecte aussi, ouais. Même les chemins, tu les respectes pas. Du reconfinement, bah, je trouve que c'est un peu débile parce que les mesures qui sont prises, par exemple, les mesures sanitaires, rien que les collèges, lycées restent ouverts. Bon, c'est pas que j'ai pas envie d'aller en cours, mais c'est que ils disent que voilà, ils veulent protéger les jeunes, mais gros. Dans les lycées, on est assez pas mal. On est quand même pas mal. Et du coup, rien que hier, on a essayé de faire des blocus de lycée au lycée Colbert dans le 10e. On s'est fait gazer, on s'est fait matraquer. C'est vous que j'ai vu sur Instagram. Ouais, c'est ça. Bah, même il y en a un, il a essayé de mettre un coup de pied à un bouclier. Ouais. Un peu bête lui, mais. Ouais, c'est ça. Mais bon, ils ont gazé, c'est ça. Ouais, on nous a gazé à la gazeuse et tout, donc. Après, on peut pas gazer avec autre chose. Ouais, bah c'est clair. Après, voilà quoi. Moi, bizarre qu'on te gaze avec du coca, c'est chelou. Ouais, c'est clair, ce serait chelou. Moi, je pense que Macron a dit n'importe quoi. Il nous est confinés parce que tu vois, il y avait un attentat, ouais, je sais pas, à Nice. Ouais. C'est pour ça qu'il nous a reconfinés. Ah, c'est pour ça, c'est pour éviter les attentats. Ouais, pour éviter les attentats, ouais, c'est ça, ouais. On peut pas respecter, déjà on a respecté, regarde, t'as vu, on peut pas respecter encore une fois, c'est mort. On a déjà goûté au premier, on s'est dit non, c'est bon, plus jamais. Ça y est, plus jamais, plus jamais les gars. Pourquoi t'as pas fait d'attestation toi du coup? Ah frérot, j'ai oublié. Tu peux le faire sur ton téléphone. Ah frérot, YouTube, affichez-moi. Ah ouais, ok. Ok, j'ai compris, Bicrave du shit. J'ai compris le personnage. Bon bah merci frérot en tout cas, je vais te laisser Bicrave tranquille. Ok. Tu fais quoi là dehors? Là, j'ai allé chez mon gousse, là, vous voulez venir? C'est les pesquis, là! C'est les pesquis! Lui faire de la pub. Vas-y, allez, vas-y, on va aller faire de la pub, allez! Il va péter. Ah, je voulais dire, c'est BFM TV, alors. Vas-y! Ah non, il y a son. Ah ouais? Attends, ah mince, ok. Bon, il y a le manager, je crois. Il y a son patron, t'as capté. Bon, bref, c'est bon. Ouais. Et il n'y a pas moins de gratter des Kinder Bueno. Il a dit le confinement, tout le monde doit être confiné. Ouais. Pourquoi il y a les élèves qui vont à l'école, et les gens ils vont au travail? Je trouve que c'est pas juste quoi. Pas juste, et mais les gens qui sortent, ils respectent même pas le confinement, il y a beaucoup de personnes au dehors, tout ça c'est balade. Ils ont pas d'attestation j'imagine. Ah ouais, ils n'ont pas d'attestation, même la police ils disent rien, ils se baladent aussi. C'est ah ouais, la police aussi, sans attestation ils se baladent. C'est balade. Ah ouais. Ouais, c'est mort quoi, ça joue beaucoup sur le moral des gens. Hein. Ouais. Ça fait un drôle d'effet quand même. Paris n'est plus Paris, je trouve. Oh là là. C'est quelle ville du coup? Bah une ville de province, c'est mort. Vous connaissez une qui ressemble Non, non, je connais pas tellement la province, mais. Ah ouais. Quand même, malgré tout, je connais bien Paris, je suis à Paris. Ouais. Même moi, j'ai pas d'attestation. Ah ouais, je sors comme ça, parce que c'est n'importe quoi. Tu prends un sac à dos comme alibi et ouais, personne ne te contrôle. Personne ne me contrôle. Mais il y a quoi dans ton sac là? Mon sac, il y a une tablette et mon carnet, c'est tout. Les keufs, ils t'ont jamais contrôlé? Ils m'ont jamais contrôlé, frère. Ça fait 5 fois que je sors, ils m'ont jamais contrôlé. J'ai les voix même, je suis passé des fois devant eux, ils m'ont pas contrôlé. T'as ton attestation? Non, pas souvent. Ils disent quoi quand tu l'as pas? Bah, en fait, ils s'en foutent, ils me donnent même pas d'amende, c'est juste. Même pas d'amende. Hier, je me suis contrôlé 3 fois, j'ai pas eu d'amende. Bah, moi je trouve que c'est pas bien. Parce qu'il a laissé les collèges, primaires, crèches et tout ouvertes. Donc il y a toujours des contacts entre nous, du coup ça sert à rien. Et toi? Moi j'aime bien, comme ça on reste à la maison. Ah ouais, toi t'aimes bien. Ouais, tu fais quoi à la maison? Je bouffe. Tu peux manger aussi dehors. Du coup, toi tu penses que c'est plus juste de confiner tout le monde, même les élèves? Même les élèves, ouais, confiner tout le monde. Bah voilà, c'est comme ça. Parce qu'il y a une maladie, tout le monde dort chez lui. Mais les élèves vont à l'école, il y a les gens qui travaillent, même il y a des gens qui sortent pour faire du sport, tout ça. Il y a des gens qui s'assoient, pour prendre du vin, ils sortent, même les chiens, tout ça. Ah ouais, même les chiens, sans attestation? Sans attestation. Ah ouais, même les chiens. Je pense que c'est nécessaire, mais ça m'embête beaucoup parce que je suis un rider et du coup, tous les skateparks sont fermés. Et du coup, toi, ça t'embête un peu? Ouais, moi ça m'embête beaucoup. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un petit trick ou pas? Ouais, vas-y. Ouh. Ah, je crois qu'il s'est raté. Pas mal. Ah, il s'est raté? Aïe, dommage. Encore un peu d'entraînement, je pense que tu réussis. C'est combien de temps d'entraînement pour un trick comme ça? Je sais pas, ça dépend. Je dois en faire depuis 2 ans. Il serait temps de réussir là, à le faire le trick. Non, mais j'y arrive. On va dire que je suis pas échauffé là. Donc là, je sais pas qui a interrogé là, du coup. Vous me tournez tous le dos.
Ils ont cru que c'était une photo. Donc, vous en pensez quoi du reconfinement? Pas tout le monde en même temps, vas-y. En fait, le reconfinement, ça sert à rien parce que les écoles restent ouvertes, donc il y a toujours des cas contacts. Mais par contre, pour toutes les choses bien, genre aller chercher de la bouffe et tout, on est obligé de rester chez nous, donc ça sert à rien. Tu parles vite quand même. Hein. C'est nul, c'est nul. Mais il y a beaucoup de gens, bah là je pense que tout le monde est dans l'illégalité parce que je pense pas que tout le monde a une attestation, tu vois. Et tous ceux qui font du skate là, tu penses qu'ils ont mis quoi sur l'attestation? Je sais pas, enfin faire les cons sur République, je sais pas. Et ouais, c'est vrai que je crois que j'ai vu, il y avait une case. Ouais, peut-être. Ça, ouais, peut-être. Tu m'as dit que toi, avant le confinement, tu savais qu'elle avait un confinement ou c'est... Ouais, je savais, je connaissais même la date, c'est le 28, ouais. Comment, t'as des contacts au gouvernement? Non, pas des contacts au gouvernement, mais il y a beaucoup de personnes qui s'en doutaient. Au lycée, on nous a dit que ça allait se passer aux vacances scolaires 2020, t'as eu. Et bah, c'était le 28 et on s'est fait confiner quoi? Le 28. Et tu penses que ça va finir quand? Oh, je pense que ça va finir février parce que février carrément. Ah ouais, parce que regarde Disneyland, ils ont mis les nouvelles dates, t'as eu? Parce que les dates de fermeture. Donc, Disneyland, eux, ils sont au courant. Eux. Ah bah ils sont au courant, je pense. Et du coup, bah voilà, ils vont fermer jusqu'à février. Je pense qu'on va se faire reconfiner comme en février quoi. T'avais un message à faire passer à Macron, je sais pas. Bah monsieur le président, moi je vous dis déconfiner tout le monde. On doit tout le monde doit s'amuser. Tu vois ou pas? Il doit s'amuser, il doit sortir, il doit respirer de l'air, tout ça. Il doit respirer de l'air. Il y a des gens, ils disent qu'ils sont en prison. On dirait qu'ils sont en prison. Ils sont pas en prison, ils sont chez eux, vous les confinez comme ça. On dirait qu'ils sont en prison. Ils sont pas en prison. Ils doivent profiter de la vie. Ils doivent profiter de la vie, messieurs. Et pitié de les gens. Fait déconfiner les gens, ils vont s'amuser, ils vont être libres comme vous. Libérables. Libérables, voilà. Du coup, pour toi, c'est quoi le plus difficile durant le confinement? Le plus difficile, bah c'est... Enfin, je sais pas, de rester chez soi. Tu peux pas rester chez soi, t'as vu, parce que t'as besoin de sortir. T'as besoin d'avoir de l'air frais, parce que dans ta chambre, t'as vu, bon, je suis sûr, y a des gens, ils restent dans leur chambre, ça pue le mort, ça pue gros. C'est ton cas? Non, à vous. Ça pue pas trop, ça pue pas trop. Mais quand même un peu. Un peu, mais t'as vu, voilà. Okay. Quand on a trouvé tous les trucs possibles et inimaginables, et là maintenant, bah, on a rien. Comment? On a trouvé des trucs possibles et inimaginables. Ah, ouais. Le plus difficile pour moi, c'est que j'ai plus d'activité, vous voyez. Il y a beaucoup de commerces qui sont fermés, c'est ça, beaucoup de salles de spectacle, ouais. On sait plus où. Vous allez au spectacle d'habitude? Oui, je suis au cinéma, je suis enfin au théâtre aussi, j'allais au théâtre aussi. Et là. Du coup, vous allez sur Netflix ou... Comment? Là, du coup, vous allez sur Netflix? Tu? Du coup, bah. On n'a plus rien quoi, on n'a plus d'idées. C'est comme les danses TikTok, hein, il n'y a plus rien. Après, moi, je suis pas sur TikTok, t'as vu? Ah, t'es sûr? Non, je suis pas sur TikTok. J'ai cru t'avoir vu dans un TikTok. Non, je suis pas sur TikTok moi. C'est pas toi qui faisais le truc comme ça là, tac tac. Non, c'est pas moi. Non, c'est Jason Derulo ça. Tu lui ressembles un peu. Non. On te l'a jamais dit? Non. Et c'est quoi le plus difficile pour toi pendant le confinement? Bah en fait, surtout j'habite loin de tous mes potes, du coup je peux vraiment pas les voir, c'est impossible de les voir. Ça... Et eux, ils se confinent ou ils s'en foutent un peu? Non, ils se confinent, mais enfin ça dépend lesquels. Genre lesquels par exemple, ils se confinent pas? Je pense avoir une petite idée. Y a pas d'imprimante chez moi, on peut pas imprimer les feuilles. C'est le plus compliqué pour toi, si t'imprimes pas c'est chaud. Ouais. Non. Tu veux venir toi aussi? Viens. Ouais, t'en penses quoi toi du reconfinement? Là où c'est chiant hein. Ouais. C'est que chiant. Hein. Ouais, moi j'étais pas préparé là. Il dit c'est chiant, mais il est en train de faire du skate depuis tout à l'heure. Bah, ça va me voir dans la vidéo là. Normalement, je suis même pas là. Ah, t'es où normalement? Normalement, je suis chez moi. Du coup, vous êtes déjà fait contrôler ici ou pas? Moi, pendant le premier confinement, une fois, mais c'est tout. Non, franchement, ils viennent pas faire les skateurs. Tu sais faire des tricks? Ouais. Est-ce que tu peux nous montrer? Vas-y. Tu nous montres, après lui, il nous montre aussi, on va voir c'est qui le plus chaud. Attends, ça fait combien de temps que tu fais de la trotte? Un an et demi à peu près. Normalement, tu sais te débrouiller. Ouais, large. Ok, vas-y. Fais-nous un bon trick. Allez, deux tricks. Ouh là 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 là. Premier trick déjà raté. Un an et demi pour ça. Voilà. Oh yo yo, premier réussi. Oh yo 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 yo. Et ça s'appelle comment ça? Le flip-flop, non? Non. C'est Baswin. Oui. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, ça, tu sais le faire? Vas-y, fais-nous un truc, vas-y. Allez, fais-nous. Ouh. Ça s'appelle comment ça, la tornade? Non, 3-6. 3-6? Mais c'est le vert, le 3-6? Oh, il est pas mal, hein. Franchement, il est pas mal. Toi, ça fait combien de temps que t'en fais? 5 crêtes, moi. 5 quoi? 5 mois. 5 mois? En fait, lui, c'est plutôt un flatteux. Il fait des tricks par terre, quoi. Ah, ok. Toi, t'es plutôt un mec en l'air, quoi. Ouais. Ouais. On appelle les mecs? Un parqueux. Un parqueux? Ouais. Vous avez inventé une langue et tout, genre, les skaters.